Monsieur Maître, vous avez travaillé en tant que tuteur dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme FADEM. Êtes-vous satisfait de votre participation à ce programme? Je suis satisfait dans la mesure où il y a beaucoup d'acquis expérientiels qui sont faits. Parce que n'oubliez pas, donc, si vous regardez les différents livrets conçus par ce programme-là, à savoir par la formation IFADEM, donc, dans ces modules-là, dans ces livrets-là, il y a beaucoup de contenu théorique qui nous renvoie par exemple à la langue française, par exemple. Non seulement il y a des contenus théoriques, mais on développe dans ces livrets-là, par exemple, des aspects didactiques. Donc, ces aspects didactiques-là vont permettre aux enseignants et aux enseignants d'enseigner le français autrement dans les salles de classe. Mais en quoi consiste votre travail de tuteur? Bien, je dois dire que mon travail en tant que tuteur a consisté et consiste essentiellement à fournir un encadrement, un accompagnement pédagogique aux enseignants. Cela veut dire que quand l'enseignant il travaille dans sa salle de classe, il peut rencontrer des difficultés. Donc, en tant que tuteur, donc, avec les livres IFADEM, avec les modules IFADEM, donc, quand l'enseignant, lui, il rencontre certaines difficultés, il rencontre des problèmes significatifs en termes d'assimilation, en termes d'appropriation des contenus, donc, à ce moment-là, je viens leur aide et j'indique, à ce moment-là, je leur explique comment ils doivent s'y prendre justement pour remédier à cette situation-là. Mais est-ce que depuis que vous accompagnez ces professeurs, est-ce que vous avez remarqué certaines améliorations dans leurs compétences en français? Bien sûr, parce que quand j'ai commencé à travailler avec les enseignants, quand j'ai commencé à réaliser avec eux les exercices d'application, donc j'ai fini par découvrir que les problèmes pédagogiques auxquels les enseignants sont confrontés donc sont beaucoup plus cuisants et même aigus qu'on ne le pense. Donc, par des efforts déployés de part et d'autre, de mon côté et du côté des enseignants, et avec ce dispositif tutoriel mis en place par cette formation IFADEM, je pense qu'il y a des petits pas positifs qui sont faits du côté, bien sûr, des enseignants. Mais l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, c'est un peu nouveau dans vos systèmes éducatifs. Et comment ça a été pour vous de vous adapter et d'entraîner les enseignants à utiliser ces technologies pour avoir cette formation? Donc, c'est pas moi qui suis le principal responsable, c'est-à-dire en termes d'initiation des enseignants au TIC, parce qu'il y a le volontaire français, M. Bika, qui est responsable de ça. Tout simplement, mon rôle a consisté tout simplement à sensibiliser les enseignants à l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information dans le cadre de l'enseignement apprentissage. Mais, Monsieur Maître, est-ce que d'après vos expériences avec ce programme, on devrait étendre ce programme à d'autres professeurs du système dans d'autres départements du pays? Mais écoutez, cher ami, je dois dire ceci, je dois rappeler ceci. N'oubliez pas, aujourd'hui, avec l'évolution des choses, bon nombre d'enseignants se sentent la nécessité, effectivement, de se former. Et n'oubliez pas que dans le système, dans notre système d'éducation nationale, il y a beaucoup d'enseignants qui entrent. Et la plupart du temps, ces enseignants-là, ils sont sans formation initiale. De plus que, donc, s'ils sont sans formation initiale et ils sont dans les salles de classe, ils enseignent aux enfants haïtiens. Donc, il est important pour nous de dire que étendre, prolonger une telle formation, donc, ça va permettre aux enseignants haïtiens d'enseigner le français autrement, de renouveler leur pratique quotidienne de salle de classe. Parce que si les enseignants ils accusent un certain déficit, non seulement au niveau des aspects théoriques de la langue française, mais
également, s'ils ne savent pas comment transmettre un contenu d'enseignement en français aux enfants, à ce moment-là, cela va constituer un gros problème pour les enfants. Donc, étendre, à mon sens, étendre ce programme-là, cette formation à d'autres enseignants, à d'autres écoles, donc ça constituera, si vous me passez cette expression, ça va constituer ce qu'on appelle la révolution copernicienne de l'enseignement et apprentissage du français en Haïti. J'ose le dire. Et monsieur maître Radio-Télévision Éducative, vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview.